en situation d'étouffement. Je pense qu'il est encore étranger. Madame, je vous invite à appeler tout de suite les secours et leur expliquer la situation. Alors, je vais pratiquer quelques claques pour commencer. Visiblement, le corps étranger est sorti. On va voir si le bébé va bien. Je crois qu'il reprend conscience tout doucement, qu'il peut respirer. Donc on va attendre les secours, madame. Est-ce que vous voulez prendre votre bébé? Oui, merci. Est-ce que tout va bien? Ok, mais les secours arrivés prennent le relais. Super. Les autres. Ça, c'était bien. C'est très, très efficace. Ouais. Oui. Rapide, efficace. Ouais. Hein. Ouais. Peut-être juste vérifier que le bébé respire bien après. Et ah oui, peut-être le doigt là. Après, s'il si pleure, c'est forcément qu'il respire. Ouais. Sinon, il pourrait pas pleurer. C'est vrai. D'accord. Juste ce que tu aurais peut-être pu rajouter, vu les locaux dans lesquels on est, bon, on n'a pas été jusqu'au bout de l'alerte, mais juste dans les locaux où on est, de dire à la maman, bah, allez attendre les secours à la porte pour les amener le plus rapidement possible vers nous. Mais sinon, pas de soucis. Oui, elle a mis en confiance ta maman et tout ça. Ouais. Je redonne le bébé à la maman après, une fois que c'est sorti. Nickel, pas de soucis. Okay. Merci. Okay.